Haïtien tout partout dans quatre coins monde là, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Paula. Chanel qui toujours porté pour bon gens nouvelles, bon gens information sans fausse côté, sans vouloir monter et bien qu'un pile dossier qui fait actualité dans la coupe pays d'Haïti nous porté pour là, coordonnateur réseau national tête calia Kenton Nui fait connait insécurité qui a ravagé pays d'Haïti et bien c'est opposition qui derrière l'autre information n'a pas porté pour là la police confirmé arrestation 9 membres gang 17 euros qui trouvé dans quoi des bouquets. L'autre information n'a pas porté pour là toujours et bien détention préventive prolongée et bien il y a un comité pilotage sous plan stratégique qui mettait sous pied par ministre justice à Rockefeller Vincent et bien pour voir comment il est capable de lutter contre ça. Et bien c'est toute information ça avec un pilote qu'on a bien pour porter pour vous ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là n'a pas de faire ça kounya là comme ça ou pas perdre même yon yota dans série information n'a bien pour porter pour vous. Déjà nous t'ai annoncé ça en titre, Kenton Louis, coordonnateur réseau national tête calée, parti pour PHTK, eh bien, lui-même, lui accusé opposition, lui fait qu'on est insécurité qui a ravagé le pays d'Haïti, eh bien, c'est manœuvre opposition que lui-même lié. Kenton Louis dit comme ça, nèg opposition a utilisé insécurité comme véritable fléau pour quotidien haïtien et violence comme instrument politique pour kawè comment yo capable prendre pouvoir en dehors de constitution. Et bien c'est ça Kenton Louis lui-même déclaré. Kenton Louis dit depuis ces élections et bien comportement antidémocratique là paraît la caille nèg opposition. Eh bien, nous connaissons Kenton Louis lui-même, c'est directeur Centre National Équipement, CNE lui-même, qui a accusé l'opposition lui-même, qui a installé climat terreur, forcé peuple haïtien, dit non à référendum. Non. Eh bien, Kenton Louis, pour PHTK, il dit, si n'est-ce pas vous-même, c'est pas vous qui derrière, eh bien, ça qui a passé là, pour qui ça? Président Jovenel Moïse lui-même, il lance ce dialogue là et puis il toujours même voulu refuser ça. Et il y a les plus loin, les conseillers, les leaders opposition pour pas prendre et bien violence comme moi porte de sortie, mais plutôt pour voir comment il va gérer et bien pouvoir ensemble avec président Jovenel Moïse. Qui ça vous pensez de déclaration Kenton lui a? Mais dans la coupe pays d'Haïti, depuis les élections, eh bien, violence en lui-même li toujours en premier. Nèg yo toujours souffert violence et nous connaissons ces armes, c'est l'argent qui baille élection dans la coupe pays d'Haïti. Parlant de insécurité, eh bien, opposition a accusé pouvoir comme quoi li gen groupe gang pal. La baye l'argent et bien pouvoir beaucoup de parle a accusé opposition comme quoi c'est lui-même qui responsable ça qui a passé à là. Ça veut dire ou pas qu'on est nan qui est ça pourquoi qui est qui véritable et bien mon qui a bénéficié ça qui a passé dans la coupe pays d'Haïti à là. Ça a son véritable problème que lui-même lié G9 yo fait qu'on est c'est pouvoir lui-même qui a dirigé l'autre groupe gang armé. Yo fait qu'on est c'est opposition qui derrière yo. Opposition dit c'est pouvoir qui contrôle toute base gros gang dans pays a. Pouvoir dit eh bien c'est opposition qui a financé insécurité dans la coupe pays d'Haïti. En tout cas nous souhaitons les en plein de fidinegyo bagayo va déclarer eh bien et puis ouais qui est-ce qui a bénéficié de l'insécurité qui a ravagé le pays d'Haïti. Et bien, l'autre information que nous portons pour là, et bien,
après la police te fin libéré trois otages dans Titanien, eh bien il y a une opération qui menait dans quoi des bouquets, bien la police confirmé arrestation 9 membres base gang 17 euros qui chita kol nan kwa de bouke. Vient dans cadre opération ça qui mené dans zone nan kwa de bouke qui relé nan remi, la police mette main sous 7 garçons, 10 femmes qui ont accusé d'association malfaiteur, vol à main armée, kidnapping avec l'autre et bien accusation encore. Bien la police même malgré toute critique que li capable joindre que la prend dernier jour ça continue à montrer peuple haïtien gain volonté pour le travail pour les stopper et bien malfra qui empêcher peuple haïtien lui-même li vivre. Et bien non 9 moun ça yo et bien c'est Jean Elancius Blanc, Gérard Antoine, Davidson Tortu, Dimitri Cléna Amos, Chamo Lui, Naïka Balan, Jean Saint-Louis, Dina Berilus ak Vladimir Souffrant. Bien, c'est monsieur Damzao qui est fouqué dans zone nan Rémi. Eh bien, la police kounya, eh bien, dans l'opération, ça a pas saisi aucun zame, mais en pile monde dans la population a commencé à bout avec des gangs 17 euros ça qui chita kol nan kwa de bouke. En tout cas bah bravo la contentement pour la police qui continue à travailler pour li wè comment li ka ou démanteler gang nan la cou pays d'Haïti. Eh bien parlant de gang de insécurité dans la cou pays d'Haïti, eh bien bonne nouvelle, libération ingénieur Dave Jeffrey Augustin, jeune entrepreneur ça qui gagne un mois depuis été kidnappé, bien finalement information arrivé jeune nous li joine libération, même si montant de libéré lui-même n'est pas communiqué, mais il a été fait kidnapper ingénieur homme d'affaires Dave Jeffrey Augustin ça, eh bien bandi a demandé $1 million américain pour li capable libérer. N'a pas songé il était kidnappé dans 42 20 mai qui saute passé à là devant toute famille et moun la qualité prend coup dans moment bandi a été rentré vinn commettre forfait ça sous ingénieur Dave Jeffrey Augustin. Bien après libération, eh bien ingénieur bien il fait qu'on est eh bien côté il était kidnappé là, il était ouais plusieurs autres monde qui ont kidnappé parmi eux un couple cap travail dans une succursale banque commerciale dans Port-au-Prince dans là, et il a accusé gang 400 marozo qui derrière kidnapping si là. Bien pendant gain trêve yon bon et côté gen trêve là gen la guerre y a goumé entre yo, et bien yon l'autre bon li même li pas nan trêve li continue à faire kidnapping pour la plus belle, et li même li pas besoin tande et bien on dans la rue pour vinn kidnapper yo, bien goup gang ça li même li entre la caille moun yo directement pour aller kidnapper yo. En tout cas l'autre information que nous portons pour là qui a rapport ensemble avec détention préventive prolongée, n'a songé premier ministre AIA Claude Joseph lui-même il était annoncé le comment il est capable et bien ouais comment il a ralenti propagation COVID-19 là en dedans prison. Il était à parler ensemble avec ministre santé publique et population, ministre justice avec sécurité publique là, et bien ministre justice à lui-même il prend leçon, c'est ça que fait li pral mete campé ou bien mete campé un comité pilotage et bien pour voir comment yo capable réduire et bien détention préventive prolongée ça. Comité ça lui-même il y a 6 membres là-dedans
Et bien, parmi six membres, ça y est, il y a Maître Wally Mérisé, lui-même qui est directeur service juridique, Maître Jean-Falier Bazley, lui-même qui est représentant service greffé et paquet, Maître et bien Jean-Aubert Dossé, lui-même qui est représentant service inspection judiciaire, Maître Marie-Mat Glacier, qui est un représentant conseil national assistance légale avec détention. Et bien, moun sa yo, yo pral wè comment yo capable lutter, et bien libérer quelqu'un moun qui en détention préventive prolongée, puisque nous connaît détention préventive prolongée, c'est une violation droit moun. Si n'a fait état du droit en Haïti, et bien faut nous commencer par là, par et bien wè comment nous ka éliminer ça ou les détention préventive prolongée comme ça, centre carcéral nou a plus ou moins kembe quantité moun yo ta dwe kembe ya. Et bien c'est là tout information nou kaba. Merci à vous-même qui t'es prêté nos attention avec fidélité. Nous casser rendez-vous très prochainement pour une autre série d'informations vraiment intéressantes. Et n'a invité vous abonner à la chaîne là, activer cloche notification comme ça ou pas perdre même yo ta dans série information n'a bien pour porter pour vous.